Eh bien bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 16 et je suis heureux aujourd'hui de vous accueillir dessus. Simplement parce que j'avais hâte de le tester et voir un petit peu ce qu'il donnait. Bon, apparemment cette année FIFA 16 c'est le bleu ciel et le jaune. Pas le jaune comme d'hab, mais le bleu ciel, tiens, c'est étonnant, première fois que je vois ça. Je crois qu'il n'y a jamais eu. Enfin bref, on va faire appuyer pour continuer. Enfin appuyer, ok. Petit match amical, ok, on choisit même pas les équipes, d'accord, bon bah pourquoi pas. Donc bah petit match amical, Real Barcelone, ouais j'avais hâte de mettre la main dessus, je sais pas si ça va beaucoup changer comparé à l'année dernière. Mais bon, vous savez moi je fais déjà un let's play sur PES, mais pourquoi pas faire de temps en temps des vidéos détente sur... Waouh, Cristiano Ronaldo contre Messi. Ouais. Pourquoi pas faire des vidéos détente sur ce petit FIFA 16. FIFA 16 qui a l'air vraiment pas mal hein, cette année avec les femmes et tout ça. Ça a l'air cool. Je sais pas si dans des mondes pourra tester ça. Ok. Oh, tiens, c'est marrant. Quand il marche sur l'herbe, l'herbe se plie. C'est bien. Truc qu'il n'y a pas sur truc qu'il n'y a pas sur PES hein, bien évidemment. Alors par contre appuyer sur R3. Ah ok d'accord, t'as LED pour les touches, d'accord. Nous on va l'enlever parce que bon c'est pas comme si c'est la première fois que je joue à un jeu de foot. C'est quoi pour courir vite, c'est ça ou c'est ça? Ah non, ok, donc c'est bien R2 pour courir vite. Et ça nous change, enfin ça me change comparé à PES. Ah ouais, c'est vrai que pour faire les gestes techniques c'est beaucoup plus facile. Ok. Waouh, d'accord, il va déjà y avoir un but. Non, nope, sans le gardien. Mais le gardien. C'est qui? Ah, c'est Navas. Là, il n'y a plus Casillas au Real de Madrid. Ah, d'accord, il la touche. Ah, je croyais qu'il avait fait de la merde. Non, pas du tout, en fait. Putain, est-ce que les gardiens seraient plus forts qu'avant? Oh, ça pourrait être cool. C'est vrai que, putain, ça fait du bien de retourner à PES. Et apparemment, ils auraient, comment dire, augmenté le temps, enfin, la vitesse du jeu, parce qu'avant, c'était un peu plus simulation, apparemment. Et, enfin, des retours qu'il y a eu. Et c'est vrai qu'on va voir si la défense... Je sais pas du tout comment est réglée la défense, si elle est en facile ou pas. Mais là, j'ai l'impression que oui, c'est en facile parce que... Ah merde, c'est rond pour tirer. Fais de la merde. Mon Dieu. J'ai fait la merde. J'ai lancé, tu sais, j'ai vu, il y avait FIFA 16. J'ai lancé la vidéo. Je me suis dit... on va voir ça ensemble. Je vais découvrir. Et puis voilà. Bon, pour l'instant, ça me change pas trop de... Waouh, ça me change pas trop de FIFA 15, même si ça fait genre... Oui. Oh la vache. Ça me change pas trop de FIFA 15. Oh, ils ont des tatouages et tout. Oh, c'est swag. Ok. Putain, pas mal. Bah, tu vois, ça c'est cool, par exemple. Bon, moi, tu sais... Moi, je parle pas du gameplay, tu sais. Moi, je regarde les tatouages, tout aussi m'intéresse. Non, mais plus sincèrement, les gars... pour l'instant, de ce que j'ai, ça ressemble, enfin, au niveau du gameplay, ça ressemble un peu au 15. C'est toujours aussi cool d'utiliser les joueurs, toujours aussi facile. Ça va toujours aussi vite, voire un peu plus vite, j'ai l'impression. Allez, TLBY. Par contre, c'est vrai que la défense, elle est quand même un poil mieux, tu vois. Avant, tu faisais un LBY, le mec, bah... Bon, tu l'as enroulé, puis voilà. Alors vas-y, mets la petite tête. Suarez. Il y a Léo Messi. Alors attendez. Est-ce qu'on va récupérer cette balle, Léo Messi? Par contre, un truc qu'il y avait et que je kiffais bien, c'était l'herbe qui se défonçait pendant que tu jouais. Alors, je sais pas s'il y aura ça cette année. Mais tu sais, c'est des petits détails. Après, moi, les gars, je peux pas... Enfin... Tu vois, comparé à PES, bon, j'y joue quasiment toutes les semaines. Je suis pas très très amateur. Enfin, je suis pas pro FIFA, je suis plus amateur de FIFA. Mais c'est vrai que ça fait quand même du bien d'y jouer. Et par contre, graphiquement, c'est vrai que ça a pas changé. Hein. Ça, c'est beau, mais ça a pas évolué plus que ça. Quoi.
trouve ça un peu dommage d'ailleurs. Mais pas rien de mal, hein, les gars. Le prenez pas mal, hein, les pros FIFA. Hein, je... Attention. Hein. FIFA est très très bien fait. Hein. Par contre, même des fois, limite mieux fait que PES, il me dira. Bah, ça, c'est... ça va pas être difficile parce que quand tu vois la gueule de l'herbe dans PES, tu vois ce que je veux dire, quoi. Un vieux JPEG, ça aurait été pareil, tu vois. Donc, voilà. Ah, attends, on va faire la passe. Toni Kroos, Cristiano Ronaldo. Oh là là, le vent. Oh merde. Par contre, un truc qui est con, par exemple, bah, la fin de frappe sur PES, bah, Neymar fait des gestes spéciaux. Mais ici, en fait, faut que tu appuies sur une autre touche. Je sais plus si c'est L2 ou un autre truc comme ça. Mais je trouve ça con. Ah oui, c'est vrai que avec l'analogue de gauche, quand tu appuies, bah, du coup, ça te change de la vue. Fuck. Bon, bah, on va faire. Bataille physique. What? Mais de quoi tu parles? Remets-moi la vue! Oh! Bon, bah tant pis, il va faire un centre tout seul. Ok. Attends. On va la remettre. Le centre. Non, mais je fais de la merde. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est vrai que j'ai pas configuré les touches comme je le voulais. Parce que normalement, moi, c'est carré pour tirer et rond pour centrer, tu vois. Et là, c'est rond pour tirer et carré pour centrer. Du coup, je suis un peu perdu. J'en suis un peu perdu. En tout cas, ouais, je suis bien content de tester cette petite démo. Allez, petite passe en profondeur. Oh! Ah, Benzema, t'es en jeu comme d'hab, quoi. C'est Benzema. Ah, par contre, Benzema, je le trouve quand même bien fait, tu vois. Ah, peut-être que... Vous savez quoi, on va checker les visages. Au lieu de dire de nap, tu vois. On va regarder les visages. Attends. Montre-moi un joueur. Je veux juste un putain de joueur. Ok. Tu veux pas montrer les joueurs? Non, mais. What? Non, je veux pas ça. Putain, c'est vrai que sur ces consoles à 2,50 francs, là, il faut aller dans je sais pas où. Vas-y, laisse tomber. Bon, j'ai vu vite fait Karim Benzema. Il avait l'air plutôt pas mal fait comparé à l'année dernière. C'était vite fait. Donc, oh putain, la vache. Eh, Léo Messi, faut vraiment faire gaffe à lui, les gars. On va se prendre un de ses buts tout à l'heure. En plus de ça, j'ai presque plus de batterie dans la manette. Tu vois, tout à l'heure, j'ai plus avoir de batterie. Je vais me prendre un but. Je vais encore pleurer parce que. Allez. Hop là. Oh, par contre. Alors, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que quand tu fais des gestes techniques, ça les influence vraiment plus qu'avant. Parce que là, genre, j'ai fait un petit geste, bah, l'adversaire est parti un peu au tard, tu vois, c'était quand même pas mal. Mais ouais, ça va. Ouais, graphiquement, les visages ont été bien modélisés. Après, bon, c'est vrai que c'est plus grosse star, donc avoir, faut voir ce que ça donne sur des joueurs plus lambda, tu vois. Allez, on fait tourner la balle. Cristiano Ronaldo, Marcelo. Allez, pour Cristiano Ronaldo. Allez. Mais non. Le truc qui est un peu chiant que je trouve dans les jeux de foot, c'est que ça serait bien genre que des fois ils fassent les gestes techniques tout seuls, tu vois. Je trouve ça un peu dommage que. Voilà. Par contre, c'est vrai que moi, par exemple, tu vois, dans FIFA, ben, j'ai plus l'habitude de jouer en équipe que tout seul. Je sais pas comment ça se fait. Ça a toujours été le cas. Enfin, plus ou moins le cas. Nope. Non. Oh, le centre. Allez, passe en profondeur. Nickel, quand même, Benzema. Passe en profondeur. Rodriguez. Il fait de la merde. Allez, on va essayer de choper cette petite balle. Hey! Oh putain de merde. On va essayer de. Putain, Messi, mais comment il galope, c'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc de malade. Allez, Modric. Après, on retournera au menu, les gars. Et on verra si on pourra prendre une équipe. Parce que je sais qu'il y a plusieurs équipes. Donc, on va voir ça. Rodriguez. Toni Kroos. Ah là là, j'ai essayé entre deux joueurs, mais
C'est pas passé. Ce n'est pas passé. Par contre, je suppose qu'il y a toujours... Oh, attends, Benzema. Benzema, Cristiano Ronaldo. Ah non, c'est Rodriguez. Ouh, les tirs. Oh là 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 là. Les tirs, easy peasy. Oh là 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 là. Comment le tir, il était... Tu vois, je trouve quand même que la défense adverse est quand même un poil mieux, tu vois. Parce que pour passer, là, voilà. Mais, non, franchement, je préfère ça. De ce que je tâte, là, les gars. Puis ça, les gardiens, tu vois, avant... Tu vois, il a quand même sauté hyper loin pour essayer de chercher la balle. Mais sérieusement, les gars, je pense que... Ouais. Je préfère... C'est un bon cru. Ce petit... putain, on reconnaît bien James Rodriguez, là. Ça fait plaisir. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Mais ouais, il a l'air vraiment plus stylé, le jeu. Bon, niveau des frappes, ça a l'air pas mal. Parce que bon, on a vu Messi qui a fait deux reprises de volée. C'est pas forcément rentré tout le temps, donc c'est cool. On a vu un changement, pas mal, c'est cool, sympa. Alors attends, j'ai qui là? Cristiano Ronaldo, Toni Kroos. Allez, récupérez-moi cette balle, les gars. Benzema. Ah, il y a une faute. Est-ce qu'il y a eu une faute? D'accord. Allez. Oulala. Ok, c'est bon. Bon, je relance ça. Alors, Cristiano Ronaldo. Ouh. Ok, d'accord. Faudrait vraiment que j'arrête de faire des gris-gris avec lui. Parce que j'ai toujours l'habitude de le faire sur FIFA. Parce que contrairement à PES, ben, tu peux les faire comme tu veux, tu vois, les gestes techniques. Attends, on va tenter un tir. Oh là 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 là. C'est vrai que lui, quand il tire, ça fait vraiment mal. Alors, je sais pas, apparemment, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait une news comme quoi Cristiano Ronaldo avait eu une proposition pour combien, 120 millions d'euros pour Paris. Et apparemment, ce serait fait que l'année prochaine. Mais c'est vrai que j'en parlais déjà sur PES. Putain, c'est vrai que cette frappe quand même enroulée là. Faut aller la chercher celle-là. Et c'est vrai que des frappes comme ça, à mon avis, ça va pas être évident à faire. Oui, la reprise semi-volée. Ok, Jérémy Mathieu. Mec, tu sors des trucs. Dommage que c'était si loin que ça. What? C'était quoi ce dégagement à 3 euros là? Allez, Benzema. Ouh. Ah, mais genre. Ah ouais, genre. D'accord. Bon, bah. J'ai fait de la merde. J'étais en train. Ça m'a perturbé parce que je voulais faire un. En fait, avant, quand t'appuyais sur R3, et eh ben. Ça faisait une sorte d'aide de pigeon. Pas une aide de pigeon. Enfin, bref, ça faisait un dribble. Que là, il n'y a plus. Donc, c'est un poil relou. Mais d'un côté, ils ont rajouté ça pour. Les casual gamers, tu vois, pour ceux qui n'ont jamais joué à un jeu de foot. Donc, voilà. Ça, par contre, c'est quand même cool qu'ils aient rajouté les tatouages. Ça rajoute au réalisme du jeu, tu vois. Pour ceux qui adorent le foot et tout ça. Ça fait un peu comme NBA, tous ces jeux-là, tu vois. NBA ou W2K, tu vois. Par contre, Messi... Oh, comment elle a failli marquer. D'accord, les gardiens, ils sont trop bien. Bon, après, c'est Navas, tu vois. C'est pas non plus... Jean Mouloud, 35 ans, gardien de but de FC. Hey. Ok, putain, hey, les tirs, mais laisse tomber. Bon, les vêtements, ils salissent toujours aussi bien, tu vois. Pas de problème. Les cinématiques aussi sont cool. Bon, je les zappe, moi, mais toujours aussi bien faites. Non, c'est... Bah, ça reste FIFA, tu vois, comme chaque année. C'est bon, tu vois, c'est cool. Bon, bah, du coup, on a gagné 1-0. Je sais pas s'il va y avoir une petite cinématique ou quoi à la fin du truc. Ouais, bah si. Ok. Ouais, comme d'hab. Du coup, ah, ça c'est cool, moment fort. Ah, ils ont changé le truc. D'accord. Tir, but. Ah ouais, d'accord. Tir raté. Ah, c'est pas mal. Pas mal. Du coup... On a fait 7 tirs, eux ils en ont fait 4, ils en ont cadré 2, nous 3, ok.
Alors on va faire suivant, ça va sûrement nous ramener au menu. Pas mal ce petit 16 qui charge. Alors, j'ai lu et je continue. D'accord. Bonjour. Bonjour, je me connecte au serveur d'IA. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Bah, pas vraiment grand-chose. Le jeu est bon. C'est toujours un plaisir d'y jouer, tu vois. Dribble sans contact. Le meilleur contact... De quoi? Le meilleur contact est peut-être celui que vous ne faites pas, d'accord? Affranchissez-vous du ballon et gagnez du temps. Créez des intervalles et des feintes. Et médusez votre adversaire comme le fait Messi au sommet de son art. Ouais, mais il n'y a pas que lui. Hein. C'est pas parce que vous avez signé un putain de contrat avec lui que... Hein. Ah bon, d'accord. La créativité est au pied de 5 minutes, d'accord. Ok. Finition chirurgicale. D'accord. Soignez votre frappe de balle. C'est vrai que les frappes de balle sont quand même putain... de mieux quoi. Avant tu tapais dans la balle, partais à 3 km. Maintenant faut vraiment le vouloir pour que ça fasse de la merde. Mais enfin tu vois, Jérémy, l'autre là, merde, Jérémy Mathieu, il a tiré mais il était mal axé. Bah là c'est parti, c'est mal parti, tu vois. Conduisez vos actions comme un pro avec un meilleur déplacement au pied. Et de la cheville. Les joueurs bénéficient d'une plus grande variété dans les frappes, d'accord. Les occasions de but, vous serez régalez-vous. Ok, bon, en gros, ils ont modifié leur conduite de balle, du coup, ça leur permet de faire plus de choses cool. Alors, fonctionnalité, agilité, défense, découvrez 25 innovations dans la mobilité et les déplacements pour ne laisser aucun répit aux joueurs les plus talentueux. Mobile, les défenseurs peuvent réduire les espaces et changer rapidement de direction pour rester au contact de l'adversaire. Ok. Bon, d'accord. Vous ressentirez une grande liberté de mouvement lors des marquages individuels et vous pourrez mieux contrer les attaques. C'est vrai que la défense a reculé, tu vois, et rester un petit peu au contact du joueur, tu vois, sans trop se prendre de LBY, tu vois. Ça, c'est cool. Unité défensive. D'accord, on défend ensemble, on gagne ensemble. Comptez sur vos partenaires pour courir. Pourquoi ? Pour couvrir. D'accord, pour couvrir, parce que courir, wow. Pour couvrir les espaces et mieux contrer les attaquants grâce à une nouvelle IA défensive. En même temps, on en avait eu besoin, parce que putain, l'année dernière, vous me faisiez péter des câbles, truc. Les joueurs prennent conscience que les espaces sont laissés sur le terrain par rapport au ballon et à l'adversaire. Bon, bah, ça c'est cool, tu vois. Putain, enfin, quoi. Ça c'est cool. Entraîneur FIFA, améliorez votre niveau. Réalisez tout votre potentiel avec l'entraîneur FIFA. Prenez en jouant avec quoi? Avec une fenêtre optionnelle qui vous apprend. Ah oui, tu parles sur les joueurs. Ouais, ça c'est bon. Parce que c'est de ce qu'on avait parlé. Les commandes de base vous permettent de bien débuter alors que les conseils les plus poussés aux bon. Ça, voilà, ça c'est cool, ils l'ont mis. Nouvelle façon de jouer, équipe nationale féminine. Ah, c'est national, ils ont pas mis les clubs. Hein, ils ont mis juste les clubs nationales. Bon, c'est déjà pas mal. Les femmes sont dans le jeu. Jouer avec l'une des 12 équipes nationales féminines pour toutes. La première fois de la franchise FIFA. Compétition hors ligne et match amicaux en ligne. Ok, donc ils ont mis l'Australie, le Brésil, Canada, la Chine. Yep, la Chine, ou la Corée, je pense plus la Chine, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, ça doit être la Colombie, l'Espagne, la Suède et les USA. Alors il me semble qu'aux USA il y a une grande attaqueuse, une attaqueuse. Waouh, bref. Il y a quelqu'un qui est connu là-bas, donc du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis. Ou peut-être parce que l'équipe est bonne, je sais pas. Oh putain, c'est vrai qu'il y a un mode draft fut. Oh merde, j'aime pas le fut, mais c'est pas grave. Ça peut être pas mal pour ceux qui adorent ça. Une nouvelle façon de jouer au mode le plus prisé de FIFA. Oui, c'est vrai, j'avoue que. What? D'accord. Ok. Mon écran s'est éteint.
RIP. Le mode prisé, alors fut draft et un nouveau mode de FIFA, Ultimate Team, ah, ça c'est cool. Sélectionnez meilleur parmi les 5 tirages, d'accord. Plus vous enchaînez de victoires, plus vous, les récompenses augmenteront. Après 4 victoires consécutives, vous remportez les meilleures récompenses. D'accord. Acheter FIFA 16 non, sans façon. Et ok, du coup, on est de retour dans le menu. Pareil, menu autant... pas autant. Pourquoi autant? Non. Le même menu que dans FIFA 15. Plus coloré. Enfin, plus clair. Je trouve ça cool. On voit Matuidi d'ailleurs qui a marqué un putain de but hier. Enfin, quand je vous tourne, moi là, il est mercredi, donc voilà. Alors, coup d'envoi. On va essayer de disputer un match. Je sais pas s'il va y avoir les femmes. Reste du monde, les femmes. On va faire les femmes et après on se laissera là, les gars. Parce que bon, hein, vous savez, les hommes, on connaît tout ça. L'Allemagne, les États-Unis. L'Allemagne, les États-Unis. On va prendre l'Allemagne, les Dutch. Et voilà, c'est parti. Donc là, il y a quoi comme maillot? Ouais, bon, il y a tous les maillots. Putain, c'est vrai qu'elles sont quand même bien faites. Et c'est vrai que quand je regarde là, il y a plus d'ombre. Il y a pas mal de choses. Mais en tout cas, j'ai hâte de le voir aussi sur PC. Les choses aussi m'ont l'air quand même beaucoup mieux faites. Hein. Beaucoup mieux fait, excusez-moi. Beaucoup mieux fait. J'ai hâte de voir ça sur PC. Là, je suis sur PlayStation 4. Pour ceux qui veulent le savoir, je suis sur PlayStation 4. C'est pour ça que... voilà. Défense. Ok, d'accord. Ah, d'accord, il y a une nouvelle... ah ouais, d'accord. En fait, on a une nouvelle... un nouveau... oh putain, c'est un... c'est un... un truc à 10, là. Ah oui, d'accord, attends. Hop. Ok, hop, voilà. Ah oui, c'est une passe à 10. Enfin, non, le jeu du taureau, je sais plus comment on dit. Allez, bim! Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est cool, on a un nouveau mode d'entraînement, c'est pas mal. Ça peut t'entraîner. Ouais, enfin, c'est simple, ils font tourner en rond. Ils font que tourner en rond, c'est plutôt simple. Ok, donc on fait ce match-là, puis on arrêtera là après. Oh, bonjour, mesdemoiselles. Bon, par contre, j'avoue que... hein. C'est parce que c'est des femmes que elles savent pas jouer au foot, ok, hein, pour ceux qui le pensent. Et d'ailleurs, putain, mais les cheveux, les gars, du coup, ils ont dû faire une nouvelle physique parce que vu qu'il y a les femmes dans le jeu, quand ils bougent la tête, du coup, on voit vraiment que ça bouge. Et putain, mais c'est cool. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Ah, attendez, on va. Alors, qu'est-ce que ça donne? Résultat, putain, par contre, c'est 4 fois plus rapide. Par contre, c'est... ah ouais, non, mais carrément, quoi. Hey. Hey, mais c'est assez ouf parce que... alors déjà qu'en général FIFA, tu vois, c'est assez... non! Putain, la vache. Mais non, mais y'a rien! Et ta grand-mère! Genre, y'a rien! Faire la faute, là! Mais genre, c'est elle, c'est même pas tiré! Togicard! Putain de merde! Fuck! Bon, oh, bah, penalty. Ok, ça commence bien. Génial! Wouh! Ok, bon, penalty. Allez. Oh putain! C'est comme mieux. Dégoûté. Je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave. 1-0. Ok. Ok, ok. Ah, carrément, ils vont fêter ça avec les filles de l'entraînement. Ah! Ok, ok. Bon, par contre, le stade faudrait peut-être bouger, hein. Regardez derrière, on dirait qu'ils sont en train de s'endormir. Ah, putain de bande de salopards. Putain, ils m'ont déjà mis un but là, je suis dégoûté. Attends, on va essayer de se faire une petite percée là. Eh putain, mais je t'avouerai que c'est 4 fois plus rapide qu'avant. Attends. Ah la vache, par contre, ouais, niveau des techniques, les filles elles sont beaucoup plus réactives. Hein. Enfin, tu vois. Allez, oh mais non, mais c'est un scandale. Mais ça n'existe pas, ça. Comment il a récupéré la balle? Oh mais non! Ah mais non! Oh putain de fuck. Attends, donne-moi ça. Waouh. Par contre, c'est vrai que ça va 4 fois plus vite, quoi. Donne la balle.
Ok. Là, il va y avoir une passe en profondeur. Hop. C'est vrai que les joueurs adverses redescendent assez vite et du coup... Eh mais ça va carrément plus vite quoi. Allez, allez. Oh là 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 là, putain. Eh, franchement, sans le faire le macho, dire le fille c'est nul. Et je te jure que je prends plus de plaisir à jouer avec les femmes que jouer avec les mecs. Pourtant j'adore... Bon, j'allais dire j'adore les mecs, mais là c'est... Non, du tout, mais... Mais je te jure que... Tu vois, moi j'allais dire, ouais, on s'en bat les... D'habitude, tu vois, enfin, j'allais dire, on s'en bat les couilles des mecs et tout, c'est de la merde. Et sérieusement, les gars, vous allez kiffer. Hein. Oh ! Toi, sur une tête comme ça ! Oui, d'accord, ok. L'autre à ta sortie, une autre tête du futur. Elle a fait... Pouf ! Me voici, me voilà. Hop, je viens du passé, j'arrive dans le futur. L'autre a dit non, la balle elle est pour moi. Regarde, l'autre arrive, elle fait plus. Ok, et je vous jure que... Franchement, testez la démo. Vous allez être surpris les gars. Je connais pas du tout les équipes féminines. Et j'étais un des premiers à m'en battre les steaks. Alors déjà qu'en général le foot, tu vois... Bon, je regarde quand c'est équipe de France ou je joue sur PES ou sur FIFA, mais... Enfin, je connais, tu vois, en général, les noms, tu vois. Mais alors là, du coup, de voir ça, ça m'intéresse. Tu vois, enfin... De voir que les filles, elles sont aussi douées. Fuck. Tu vois. C'est ouf. C'est juste ouf, quoi. Bon, après, ceux qui peuvent pas faire attraction leur paire de seins, bah, tant pis pour vous. Mais sachez que c'est des putains qu'à savent jouer. Hein. Laisse tomber. Regarde, Tu vois ce que je veux dire. C'est... Ah mais... Oh la vache. D'ailleurs, un jour ça pourrait être marrant de faire genre une fille, un contre un contre un gars, tu vois. Je suis sûr que la fille lui la branlée, tu vois. Je sais pas si, pour ceux qui connaissent, tiens, dans l'espace de commentaires, vous allez me dire, les gars, si y a une joueuse de foot qui est douée, genre une Cristiano Ronaldo, une Ronaldinho, tu vois, ou un Zidane en femme. Je... prends ça comme référence, mais parce que je connais pas du tout le monde des femmes au niveau du foot, mais alors putain d'ignard, tu vois. Allez, le tir. Oh la vache, putain. Mais yon, moi je pense qu'en stream, si je joue à FIFA, je prendrais bien les équipes féminines, tu vois. Bah franchement, GG à Electronic Arts parce que ils viennent de me faire découvrir l'équipe féminine de foot. D'ailleurs, j'espère qu'un jour ils nous mettront ça dans PS parce que franchement, je kiffe. Hein. Franchement, le jeu, il est cool. Ça me fait limite redécouvrir un jeu, tu vois. Si je prends FIFA, c'est vraiment pour ça. Hein. Là, bon, vraiment dommage qu'il n'y ait peut-être pas les clubs ou autres. Mais, je suis sûr qu'il y a plein de mecs qui vont kiffer parce que, même de filles hein, qui vont kiffer. Putain, non mais c'est tombé quoi. Tough, hein. C'est cool quoi. T'as besoin d'aller vite ou de dribbler vite fait, hop, tu peux. Les mecs, c'est un poil plus lent, c'est différent. Franchement, j'adore. Pour l'instant, bon là, on a que les équipes nationales, donc c'est déjà pas mal. Mais l'année prochaine, j'espère qu'il y aura... Ça ira plus loin. Et j'espère que le foot féminin sera de plus en plus connu, tu vois. Vraiment, tu vois. Alors, peut-être même aller aussi haut que les équipes... les équipes masculines, tu vois. Il faut vraiment que ça se démarque, tu vois, que les femmes cessent pas à battre parce que c'est moins connu, tout comme ça, mais putain, que c'est stylé. Par contre, je fais vraiment de la merde. Je suis vraiment désolé, gars. Oui, j'ai cru que j'allais taquer. Mon joueur est parti, j'en ai fait un tir au large. Femme à joueuse. Oh la vache. Ouais, j'espère que Konami pensera à faire un jeu. Bon, c'est vrai qu'ils sont en train de se relever d'un naufrage de PES qu'ils ont eu il y a 2 ans de ça, parce que bon, depuis l'année dernière, ça va mieux. Mais pourquoi pas une édition pareille, mettre quelques équipes féminines pour être cool. Surtout, putain, Konami. Mettez un peu d'argent pour acheter les licences, quoi. Putain, c'est cool, sur FIFA, on a toutes les licences, tu vois, ça c'est génial. Putain, non. Sur PES, on a les licences. Bon, peut-être qu'après...
Enfin, je sais pas, faites un accord, faites quelque chose. Je suis sûr qu'en mettant quelques billets sur la table, il y a moyen que qu'on ait quelques licences. Mais bon, je suppose que ça se passe pas comme ça. Mais putain, eh, je vous jure que... Eh, regardez-moi ça, la vitesse, la technique que gonflait les femmes. Hop. Non, je fais de la merde, je me suis encore trompé de bouton. Je fais de la merde. Bon, c'est pas grave, c'est ma faute. C'est ma faute. Mais à coup pas à moi-même. Je fais de la merde. Je fais de la... Why? Mais what? D'où elle sort des techniques pareilles? Non mais moi je vous jure que si je vais prendre... Moi je prends FIFA les gars. Oh fuck. Oh fuck. Oh putain, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Passe en profondeur. Allez. Allez, petite passe, nope, ah oh, putain, mais non, mais c'est pas possible. Allez, nickel, petite passe entre deux joueurs. Allez, oh la vache, oh les gars, oh là là, oui, oh, c'est magnifique. Mais, hey, c'est magnifique, qu'est-ce que c'est? Mais... What? C'est aussi bien de jouer avec des femmes. Et puis c'est... what? Non mais, les gars, je vous jure que j'ai jamais autant kiffé jouer un... Putain, mais regardez ces techniques. Oui, mais... Eh, je vous jure, je vais... Eh. Je sais pas ce qu'en pense Flonox et Elsass, tu vois. Mais, c'est juste kiffant. Franchement, cette année... Alors, les mecs, c'est pareil, tu vois, c'est super cool et tout. Mais tu vois, le fait que c'est un poil plus long, bah du coup, bon, ça rajoute du challenge. Mais là, c'est hyper technique, ça va vite et tout. Ça joue dans les petits espaces. Ouais, c'est génial. C'est juste génial. Alors, franchement, ouais, je serais peut-être. Eh, vous savez quoi? Peut-être que je ferai quelques vidéos. Je sais pas si tu peux faire une compète qu'entre femmes. Ouais, mais il y a que 6 équipes. Putain, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus d'équipes parce que j'aurais fait un let's play FIFA 16 sur les femmes, tu vois. Et l'année prochaine, je pense que je le ferai parce que je viens de découvrir ça. Et franchement, je kiffe. J'adore. Elles vont hyper vite. Ça s'enchaîne vachement bien. Tiens, on voit les remplaçants. C'est cool. Ça s'enchaîne vachement bien. Oh, par contre, la taille du gardien, quoi. Pardon, madame, je sais pas si vous êtes française, mais j'aimerais pas me fight avec vous. Vous me casserez la gueule. Non, c'est vrai que... Oh la vache, quoi. Oh, mais je kiffe. Franchement, belle... la défense, bah du coup, elle redescend bien. Oh la vache. Oh, c'est... Franchement, essayez les gars, essayez sans vous dire de... Au pire, allez-y comme vous dire, moi c'est de la merde. Comme moi là, j'allais prendre les femmes, je me disais, bon, j'avais un préavis dessus, un avis déjà un peu mitigé, mais je me suis dit, les femmes c'est de la merde, ça va être nul. Putain, mais là, tu vois, comme quoi, il y a que les cons qui changent pas d'avis, parce que, genre, c'est juste énorme, quoi. C'est ultra rapide. Attends, on va faire un petit... Oh là là. Hey. Ok, j'ai presque cru qu'ils allaient mettre un but, mais non, c'est bon. Allez. Oui. Allez. 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 Prends-moi là-bas. Alors, si je parle pas fort, c'est normal, c'est parce que j'ai un peu mal à la voix. Donc, du coup, je préfère parler plus lentement et plus doucement. On dirait presque de l'ASMR. Alors on va tenter un petit peu les dribbles. Eh mais les gars, je vous jure, c'est un truc de... Non, ouais. Ah, il y a hors-jeu. Ah, reprenez pas là-bas, je me suis demandé pourquoi, mais en fait, il y avait hors-jeu. Ouais. Putain, c'est ouf. Franchement, ouais. Franchement, c'est ouf. Hein. Ah, tiens, d'ailleurs, quand ils sont fatigués, ils se... Ok, il y a une petite animation. Cool, ça. Par contre, l'aide pour les casus, c'est un peu relou parce que j'ai trop l'habitude de faire certaines
certains trucs, tu vois. Allez, petite passe. Oh bon, ah, what? Voilà de quoi je parlais. Wow. Bonjour. Merde. Il est où le... Rip. Fail. On en parle de FIFA. Il est où mon câble de recharge? Heureux les gars. Bon, j'ai cherché la manette genre 30 petites secondes histoire de finir la vidéo. Parce que voilà. J'espère que ça va pas se recouper. Sinon, bah va falloir que je la charge. Et puis voilà. Enfin bref. Allez, c'est parti. On reprend ça. En plus, on est à la fin du match. Donc voilà. Allez. Allez. Le tir. Oh, oh le but. Il n'y a pas en jeu. Ouh, il n'y a pas en jeu. Nickel. Ouais. Un baillon. Quelle belle surprise, franchement belle surprise les gars, je vous conseille. Est-ce que je vous conseillerais FIFA juste pour ça? Non. Mais par contre, si vous voulez utiliser les gars plus les filles, là c'est genre le combo ultime et sauter sur le jeu. Là, clairement, pour tous ceux qui sont fans un minimum de FIFA, ils vont être aux anges, tu vois. Ils vont juste être aux anges, quoi. Mais... dommage que je connais pas du tout le championnat féminin parce que du coup ça aurait rajouté au truc, mais ouais, je demanderais qu'à voir, tu vois. Voir un petit peu comment jouer et tout. Ouais. Vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont les découvrir via FIFA. Et encore, enfin, je pense de la part de beaucoup de gens, merci hier parce que. Surtout de bien avoir réussi le gameplay parce que le gameplay est ultra rapide. Ça joue dans les petits coins, mais genre c'est génial quoi. À mon avis, j'en ferai pas mal. D'ailleurs, pourquoi pas faire une vidéo avec un ou deux abonnés. De toute façon, au pire, je demanderai à sur Twitter s'il y a des abonnés qui veulent faire des vidéos avec moi sur Twitter ou autre. Je demanderai si vous serez intéressé. Enfin bref, on arrive à la fin de la vidéo, les gars. J'espère que ça vous a plu et en plus. En plus, on a découvert les femmes, les mecs, plutôt pas mal, leur tir, excellent, la défense qui recule, les gardiens qui font des sauvetages, genre, je sais pas d'où ils sortent ça, mais c'est beaucoup plus réaliste, un bon cru, franchement, ce FIFA 16, mieux que le 2015, a beaucoup de points de vue. Ouais, je pense qu'en fait je ferai quelques vidéos dessus. Ouais, ça c'est fort probable. Et ouais, hâte qu'ils sortent et qu'on mette la main dessus voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu les gars. Pareil, que ce soit PES ou FIFA, je vous remercie pour tout le suivi que vous avez auprès des vidéos et puis voilà, et comment on pourrait se laisser sur la vidéo, enfin on pourrait se laisser sur la vidéo, ça veut rien dire, mais on pourrait se laisser sur un mot, vive les femmes, parce que putain dans FIFA, elles sont géniales. Enfin bref, je vous fais des bisous les gars, et j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la prendre, vous allez kiffer, c'est ultra rapide, ça joue dans les petits coins, et ça fait des tirs somptueux. Enfin voilà, je vous fais des bisous, je vous laisse Cartier, salut tout le monde, peace.